Allez hop, au boulot. J'ai trouvé un nouveau travail, assistant dans une morgue. I don't like that. Grandma. Mais si, mamie, c'est bon, ça va bien se passer. Elle nous offre un petit talisman d'une religion qui n'existe pas. Oh non, ça va pas commencer. Just take it. Alors, vous allez pas commencer avec les bouts, je vous le dis tout de suite, vous allez vous calmer direct, mais direct. Un crayon, ah j'ai un crayon. Alors, Rebecca, une dernière chose que j'oublia de te donâtre. Ramasse donc le crayon sur mon bureau et signe post-scriptum. Bon chance, je signe le contrat. Ah ouais, ça commence comme ça, très bien. Ah bah ça va, il fait jour. Triturer des cadavres de jour, c'est cool. Putain le connard, toi tu y étais pas dans la démo. Vous êtes en train de vous servir d'un ordinateur qui est verrouillé. Êtes-vous vraiment la personne qui est censée travailler ici ou êtes-vous un pervers des cadavres, monsieur? Je ne sais pas, je ne veux pas le savoir. Oh putain, c'est pas mal. J'ai aucune idée du nom de tous ces trucs, on va appeler ça la chariote. Et le truc à chariote. Et le releveur à chariote. Voilà. Brancard et tiroir. Chariote et frigo, désolé. Alors... I'm just finishing up something here, so why don't you grab the clipboard? Mais t'es en train de rien faire, tu peux pas le faire toi? Pas possible. Alors, Dorothy Page, 87, tête, épaule, bras, jambes... Enter markings into computer, record distinguishing marks. Très bien. J'ai la barre de menu Windows qui est devant le jeu en fait. Oh, on lui a fait un bisou sur la joue. Ok, ici, y'a que deux. Hein? These old windows never stay latched. D'accord. Il est vraiment détente, hein. C'est les fenêtres qui claquent tout le temps, elles sont vieilles. Tout va bien. Bienvenue dans l'horreur incroyable. Bah des vieux. Voilà. Oula, c'est pas génial ça. Alors, rentrez les infos dans le cadavre, système. What was that? Il y a une voix qui vient de me dire tu vas crever ici. Super. Bras gauche. Des boutons. Alors on a le report, maintenant il faut l'embaumer. Alors, A-caps. Can't hold anything out. I can't. Comment ça? Alors, les large items, ils sont là. Et les smaller items, ils sont dans la poche. Ça, c'est très très con déjà, ça. Alors, where Joe shot, needle injector. Ah, il faut que je lui ferme la chebou. C'est cool, il se passe que dalle. I can't use that here. I can't use that here. I can't use that here. C'est cool. D'accord. Regardez ce stream en mangeant, n'est pas la meilleure idée, monsieur. Les petites pastilles pour lui coller les yeux. Ok. Mélanger les fluides. Can't hold anything up. I can't hold anything non, else. Mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible. C'est une catastrophe, cet inventaire. Une catastrophe. Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly, and it can make them pop like that. Ah oui, ça arrive qu'il y ait des bouteilles mal rangées. Beaucoup trop serein. Toi, t'as quelque chose à te reprocher. Je ne m'appelle pas Bandalf. Faire une incision dans la carotide. J'ai ouvert la gorge et alors? Ah bah oui, les tubes ils sont là. On va intuber la vieille, engager la pompe et laisser le corps se vider. La vache! C'est bruyant! Mais du coup le sang là il va où? J'entends même pas le perso parler en fait. On est bon. I can't use that here. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous a dit le monsieur? Insérer le trocar. C'est parti. Can't hold anything else. Oh non, c'est une blague. Can't hold anything else. Qu'est-ce que je suis censé faire déjà avec ça? Il faut mettre dedans. Ok. Oh, ça recommence. Ok, ça c'est fait. On peut lui nettoyer la gueule. C'était un peu nul sur 20 quand même. Hein. Ma journée est déjà finie? Ah bah ça va. Wait a sec, I have another call. Hello? Hey Rebecca, it's Raymond. I wanted to apologize. Ah, il savait, c'est sûr qu'il se passait des choses. No, it's late. À cette heure-ci, trois nouveaux cadavres. Ok, bah... Okay. Holy shit, he signed me on. See? Congratulations. Évidemment, comme dans tout bon jeu d'horreur, il faut chercher ses clés au début. Les items temporaires. J'en ai rien à foutre. Mais lâche-moi. Mais laisse-moi tranquille. Il faut appuyer sur quelle touche pour fermer cette merde? Mais non, mais laisse-moi tranquille. Mais au secours. Comment on fait pour lâcher un objet? RMB, ça marche pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est de la merde. Alt F4. Ok. Oh non, mais ça a quitté le jeu. Non, je rigole. J'ai vu personne réussir à lâcher le livre. Ah, donc c'est... Mais quel jeu de merde. Quelle horreur. Alors, comment on lâche ce livre de merde, par contre? Ah, tout le monde a eu ce bug, ils ont dû reload. Ça fait combien de temps qu'il est sorti le jeu? Presque 2 semaines, pas de bug fixe. Bah sinon, Madison, ça a l'air bien, hein. Oh, un livre. Si je le ramassais. C'est un excellent jeu pour le moment. Lol. Sinon, ça fait peur à un moment donné. Là, je pense que tout de suite, l'ambiance, elle va être beaucoup mieux. Une légère brise d'été qui caresse votre visage. Et puis après, on va laver des cadavres. Alors. Bah, qu'est-ce qu'elle a? Ah, allô? Hi, Rebecca. Mr. Delver, I need help. Someone's outside the mortuary. Y'a quelqu'un? I'll unlock the door. What? Quoi? Oh, le vieux salaud, qu'est-ce qu'il a fait? The possession had started.
Quelle possession ? This isn't funny. Stop. You need to take this seriously. This is insane. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. Comment ça, je peux pas partir ? You can't allow that, so we stay calm. Okay. We embalm, file the paperwork, everything. Treat it like a normal day. What the fuck? Ah mais c'était le docteur ? Insane. Oh, c'était pas dans le contrat mais pas du tout. Alors on a une vieille clé et un recordeur. Très bien. Ah ben voilà la machine à... La machine à casser ! Je démissionne instantanément. Il me parle de possession, il m'enferme dans la morgue. Alors il y a des chiottes du PQ, ils n'ont pas connu la crise. Alors qu'est-ce qu'on dit déjà dans ce genre de jeu avec une physique éclatée ? Si je tiens un objet dans les mains, il ne peut rien m'arriver. Il y a aucun souci. Il peut rien m'arriver ! Il peut rien m'arriver ! Allô? This entire thing is extremely unprofessional. Ah bah oui, c'est pas drôle. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. Comment ça? The only way to save yourself is to banish the demon. Le démon? Le bannir? Bind it to its chosen body and burn it in the retort. Donc il faut découvrir le nom du démon, le lier à un corps, celui qu'il possède, et le cramer. Super, donc lui, ça lui a pris des années à gérer tout ça, et il dit, toi, t'as juste 2 heures. Super. On peut pas faire confiance au téléphone. Tout peut être manipulé, genre cet appel-là. Ah bah super, bah tu peux être désolé vieux con, c'est Tipper, ma petite cassette. Ah ouais donc il a fait ça toute sa vie, mais il nous a quand même laissé dans la merde. Alors il a une collection incroyable de noms de démons. Elle appelle les flics? Ah c'est dommage, il a coupé les lignes. Évidemment, depuis quand en ordi ça fait ce bruit là? Bon bah c'est parti, faut aller chercher un corps. Hein. Bonjour. Vous êtes un jumpscare? Bonjour, vous êtes un jeu qui fait peur? Il y a plein de corps. Il avait dit 3 je crois. Ah mais j'ai pas pris le merde. Un petit ASMR de rage. J'arrive. Est-ce que je peux... Oh. Pour l'instant tout va bien. Bonjour petit cadavre. Voilà. Ah c'est pour être sûr que vous êtes bien mort. Vous êtes très souriant monsieur hein, vous êtes très très souriant. Ça fait plaisir. Alors, monsieur Alec, on va t'appeler Téton Man. Il a des petites traces ici. Bah le jeu a coupé, super. J'ai entendu quelqu'un se lever. Hello. Bonjour. Ah bah, il est vivant. Ah bah Téton Man, il est vivant. New job. Nope, nouveau travail, je me casse de là. En fait, je pense qu'il a cru que je m'appelais Danette, parce qu'il s'est vraiment levé pour moi. Ceux qui ont la rêve sont des très vieilles personnes qui ont beaucoup trop regardé la télé. Il est très souriant ce monsieur hein, je vois pas où est le problème. Tu peux être mort et garder le sourire. Voilà, moi c'est le genre de message que je veux voir sur toutes les chaînes. Tu peux être mort et garder le sourire. Les gens beaucoup trop positifs. Alec Callahan, 54 ans. Il a une vieille merde sur le bras droit. Il a une vieille merde sur le bras gauche. Il a une vieille merde... Ça fait toc toc. Sur la jambe gauche. On est bon, on y croit. Need to file a copy up front. Allez mais ça va aller, ne t'inquiète pas Kate. Ça s'appelle peut-être pas Kate, je sais plus. Ça va aller, t'inquiète pas, il y a pas à se relever, il est mort. Tous les produits sont en bordel maintenant, ça y est. Il faut tout chercher à la... Oh putain, vas-y ça va être chiant. On va lui faire la bouche déjà. Alors... 8, hop là, ferme ta bouche. Oh, regardez-le comme il a l'air heureux. Alors maintenant, si je me rappelle bien, il faut lui faire les yeux. Des lentilles. Je vais le mettre ici. Louper le bout, louper. Alors, on lui ouvre en grand les yeux. On lui met les petites pastilles du Regent dans le hall cabinet. Ici, on a le bleu, on a le rouge. Il faut trouver le blanc. Ah, je suis désolé, mais excusez-moi, hein, mais que la personne qui a designé le son de ces placards se fasse virer, s'il vous plaît. Je sais pas, on dirait Yoshi en train de mourir. Oh, ça s'allume. Full access. Oh. Raymond. Ah, c'est Zoé qui demande la clé. Ah, mais il y a une clé ici. Extra keys. Ok. Ici, j'ai mon badge. Oui. C'est ouvert. Oui. Quelle porte est ouverte? Celle-là? Oh, c'est un démon sympa. Il me dit les portes sont ouvertes. J'ouvre la porte, elle est ouverte. Mais c'est incroyable. Ah, il y a un truc sous le papier. C'est une clé. Alors, est-ce que ce serait pas une des clés de moisi qu'on a eu? Ah. Ah ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce monde? Oui, ça on avait bien compris, ouais. Ah mais du coup je vois pas! Je vois plus les sous-titres! Et une fois que j'ai vu ces sauts, je les rentre là. Ok, donc, il va laisser des marques. Avec le papier, je peux le faire cramer, ça me donne une indication d'où est le truc. Apparemment, je regarde l'application ici. Super, je l'ai pas du tout. Ça doit être ça mon code. Blablabla, je découvre son nom, je crée une marque, je lui crame sur le bide, puis je l'envoie cramer en enfer. Alors du coup, on a le reagent. La lumière s'est éteinte, mais c'est pas grave. Qui a besoin de lumière après tout? Scalpel, forceps. On va te tuyauter la gueule mon pote, tu vas pas t'en remettre. Voyons voir. Attends, le téléphone il est coupé, et là il sonne. Il nous a dit attention, le téléphone peut être mode... C'est le démon qui nous appelle.
Allô? Hello? Allô? Rebecca? What the? Pourquoi il y avait des vaches derrière? Au lieu on fonce les tubes, vidons ce joli corps. Si le démon il arrive et qu'il essaie de nous lire, bah nous on va pas l'entendre. Ah, Flexbag, cavité fluide, ça j'ai retenu. Vous inquiétez pas, j'ai fait ça toute ma vie. Du jus de bide. Ok, ensuite. Ah, j'ai pas envie d'aller aux toilettes, c'est quand même vachement sombre. Hein. Ah, là je me sens mieux. Qui c'est qui pleure dans les chiottes? Bonjour. Vous avez le doigt cassé? Laissez-moi vous le réparer. Vous me montrez le truc là. Ah, il y a une photo. 1970, l'année de la construction de la maison de la mort. Évidemment, ça nous parle de 666, le nombre de la beast. Ok. Vous êtes plus là? Oh. Ah non, le compresseur de la mort. Par contre, c'est chiant ça. Moi, oh, toutes ces gorges ouvertes, ça m'a donné faim. Alright. Pourquoi c'est ouvert celui-là? Dites donc, mon bon monsieur, vous attendez votre tour. Ce n'est pas votre tour. Qu'est-ce que c'est que ça, là, ces corps qui sortent tout seuls, là, du frigo? Ça me met, mais... une sorte de fussoir. Qu'est-ce que c'est, un fussoir? Je sais pas. Madame! Oula, vous avez des vieilles marques, hein? Vous avez pris des coups. De l'UFC, peut-être. Qui a commandé le gigot? C'est qui rigole? Ah, oh, il y a un truc super qui s'appelle eau précieuse, madame. Là, c'est un dermatologue qu'il vous faut. Attendez. C'est quoi ces orteils? Elle chausse du 2000! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Elle doit nager super vite par contre, hein. Elle était peut-être nageuse, hein, c'est précisé ou pas? Rien du tout. Ce soir on vous met, ce soir on vous met le feu. Ce soir... Toi là! C'est toi qui es sorti là! C'est à toi que je vais mettre le feu ce soir! Bouh! Oh, j'ai déjà oublié ce qu'il fallait faire. Oui, lui faire la bouche. Oh, regardez ce sourire. Un petit scalpel. Je rêve où il m'a parlé. Je rêve où c'est toi qui parles. Tu attends ton tour. Ils sont patients ces cadavres, c'est un truc de fou. Depuis tout à l'heure, l'autre il nous fait chier. On a bien compris que c'était toi, c'est bon. Eh ben tu passeras en dernier. Come over here. Oui? Oh, il y a quelqu'un là-bas. Bonsoir. Comment allez-vous? Bon, super. Ah, bonsoir. Vous êtes où? Oh ben moi je marche, hein. Bouh! J'avais tellement d'espoir dans ce jeu. Non, je pense qu'il va finir par faire peur. Allez! Je me mets dans le jeu! J'ai peur. Oh! Il y avait un mec tout blanc caché! Mais comment il a fait? J'arrive pas, hein! Mais pourquoi, putain, c'est le genre de jumpscare qui devrait marcher, ça! J'ai trouvé la démo 10 fois plus flippante que ça. Ah, le faux téléphone qui est pas censé sonner. Attention. Hello? I need to report a missing person. Her name is Rebecca Owens. She's 14. She has a drug problem. I understand that. I need you to check them. Je peux pas, je suis désolé, je peux pas. Parce qu'en fait, la voix du démon derrière, c'est un truc que j'avais vu dans un épisode des Simpsons. Comment tu veux que je prenne le jeu au sérieux? Je suis en disrespect total. Allez, j'espère qu'il va y avoir un jumpscare qui va nous avoir un petit peu là. Il serait temps d'avoir peur. Allez, là, il y a un jumpscare qui me fait peur. Ah! Non. Oh, je coule. Oui, j'ai un problème de drogue apparemment. J'ai sombré dans la drogue. Pourquoi j'ai une commande qui est lock? Bah alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il a éternué, il est tombé avec le visage. J'ai pas compris. Allez, au moins un jumpscare qui me chope ce soir. On va aller voir notre ami, extrêmement impatient depuis tout à l'heure. Je me demande si c'est le démon. Il parle, il fait claquer les portes, il sort tout seul. Vous êtes fraîche comme un gardon, mademoiselle. On retourne dans le petit frigo. D'accord. Rebecca, come down here. Quoi? Quoi? Mais attendez, alors attendez, je... Come down here. Attendez une minute. Je fais mon travail correctement, monsieur. Rebecca. Rebecca, come down here. Oh, bah je peux plus le ramasser. Super. Il y a un jumpscare. So, little Raymond. Oh, c'est trop bien. Ah, le démon est pas content. Il a encore envoyé un agneau au sacrifice pour sauver son petit cul. Oh, des statues. Oh, il y a un papier dedans. Il y a une clé. Il a un chiffre sur la tête aussi. 7-0. Alors 7-0-1.
7014. Est-ce qu'il y a un ordre après? Non mais je suis désolé, mais c'est nul. En vrai, là, pour l'instant, j'ai plus envie de me faire rembourser mes 24 balles qu'autre chose, quoi. Donc, allez, le démon, on attend que toi, là. Ah, oh, qu'il est beau. Il me regarde. Quoi? On dirait qu'il m'a puni, qu'il m'a dit elle va au coin. Non mais non, ça j'aime bien. C'est ça monsieur? On est tombé dans la tombe. Eh mais quoi? Mais le doc il nous enterre vivant. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Coucou, c'est moi le jumpscare. Ça par contre c'est pas très intelligent madame. Comment on s'est retrouvé là? Alors on va enfin voir le véritable démon. Le démon impatient. L'autre là. Lui là. Allez mon petit pote, on y va. Oh, ça pousse un peu à la salle, hein, ça a des jolis pecs. Hein. Bon par contre, il y a du laisser aller au niveau abdominal. Shelby Mayo. Ah mais ça fait chier parce que le jeu pourtant, il avait tout pour être bien. Hein. Non mais il est bien, ça va. Ça m'a étouffé de dire ça. Pourquoi ça fait un vieux bruit de scotch? Je peux plus interagir avec quoi que ce soit. Oh trop bien. Ah je peux pas interagir parce qu'il me dit va vers le jumpscare. D'accord. Bon bah allons-y. Bonjour madame. Au revoir madame. Là je vais me retourner le mur, ce sera rapproché. Oh que c'est cliché. Ah non, il y avait un mec en slip tout blanc, tout nu, là, à poil contre un mur. C'est juste pas possible, ça fonctionne pas. On va finir le premier shift, on va passer sur Madison, je crois. Non, mais si, allez. On va lui donner sa chance, je suis sûr, il y a des trucs bien. Voilà, sachant que lui, c'est sûr, c'est le corps possédé par le démon. Il va se passer des petites dingueries, là. Genre là, il va se lever, là. Hein? Sauvez ce jeu, je vous en supplie. Le bruit de l'imprimante est bien fait. Je vais effacer ce sourire narquois de ton visage. Bon, une porte à claquer, quelle surprise. Oh, bah, il y a une madame là-bas, bonjour. J'arrive. Elle a rallumé la lumière. Je pense que c'était pas prévu que les gens courent dessus comme ça en mode balèque. Elle était beaucoup trop sympa. Ensuite, c'est y part. Ta 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 ta. Je suis content de faire ce boulot. Je me régale. Ok. Le petit tuyau. Le petit couteau. Pour enlever les petits morceaux. Bonjour. C'est désolant. Ah, je suis déçu d'être déçu, hein. Je suis un nettoyeur de cadavres. Regardez les tétons, ce sont des yeux. Regardez le nombril, c'est un nez. Regardez l'ouverture, là, c'est une bouche. Est-ce que vous voyez le visage? Le visage beaucoup trop sympa. Allez, on arrive, on arrive. Ce soir, on vous met. Et au Technival de Valence, retrouvez... Mortuary Assistante, le jeu super sympa. Allez, allez, c'est parti ce soir. Personne veut s'amuser avec moi. On est d'accord, il y a un bug d'interface là. Ah, c'est vrai, c'est pas un bug. J'avais oublié les sigils. J'avais tellement oublié cette histoire. Je me disais, putain, il y a un truc qui me gêne à gauche de l'écran, putain. À la base, on fait une chasse aux démons, c'est vrai. Ouais, ça va, on va la faire, on va la faire. Ah, le code. C'est pas ça. 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 C'est pas ça non plus. Ah, c'est con ça, le code qu'on a trouvé au sous-sol, c'était pas ça. Ok, voilà, c'est lui. Pour l'instant, on a lui. Ah, on a un T. On a un 3 et on a un T. Pour l'instant, je les place au pif. Ah, mais attends, suis-je bête? Il y avait la carte du gars, là. 2, 1, 1, 7, 9. Alors, les sigils. Il y a un chargement. Eh, ouais. Des marques sur le corps, des mouvements, des trucs dans le dos, des machins... Ah, il a un nom, notre ami Sliplikra, c'est le Mimic. Une vidéo ici. All right. This is David. Raymond, this feels insane, but I think you were right. Let me see if I can get in here. There it is. Fuck. Il a applaudi des pieds. On a un 3 et un T ici. Allez, on a T Shack. On a peut-être Balmette aussi, mais je suis pas sûr. Bah, crame-moi notre papier. Papier.
truc qui nous a sauté dessus. Quoi? Qui nous a poussé? Par contre, il y avait un sigil là. Ah, sur la porte. En fait, il y a des événements paranormaux scriptés où il peut rien t'arriver, c'est juste des petits coucous. Donc Balmette est éliminé. Allez, moi je pars sur T-Shack. Rasengan, 3T, fiole. Ok, j'ai une marque sur moi. Donc il nous faut les... oui. Bonjour. Le pauvre. Ça me fait de la peine parce que je l'aime bien, l'Ikraman, le mimique là. Bon, on a le nom du démon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut vraiment le dernier sigil. On peut pas y aller en mode je suis trop fort. Oh, regardez-le, il est là-bas. Il me fait penser à un enfant qui me fait de la peine. C'est un enfant, tu sais, qui essaie de faire quelque chose pour que tu le remarques. Du coup, j'ai envie d'aller lui faire un câlin. Allez. Alors, j'ai pas du tout entendu où se situait le... Oh, il y a une porte fermée. Quelque chose qui va arriver là. Quelque chose qui va me sauter dessus là. Allez, au moins un jumpscare. C'est tout ce que je te demande. Un truc qui va me surprendre. Un tout petit cri. Mais je sais que c'est lui le démon. Est-ce qu'on peut pas le cramer direct puisqu'on sait que c'est lui? Voilà. Imagine, c'est pas lui. Oh ah non, mais attendez, mais je voulais pas que ça parte tout de suite. C'est peut-être même pas lui, on a peut-être perdu. Ah, ça toque. La marque! On n'a pas pu vérifier la marque. Oula. Ça avait l'air d'être lui. Il est puissant ce four. Hein. Oula! On a gagné ou on a perdu? On a gagné? On a gagné! Did I make it? Is it over? It's never really over. I'm so glad I'm here. You should head home and get some rest. Ah, oh, j'ai un jour de repos. I think I'm fine. You seem out of it. Oh, I've just been waiting for so, so long. What? What are you... Oh no, you didn't use the mark. Rebecca. Ah, je me suis fait posséder. Ah, on a perdu en fait. Trop bien. En même temps, c'est mérité. Oh. C'est mérité. Dis-moi qu'elle a visé la poubelle. Mais on l'avait la marque, hein, mais j'ai oublié de l'appliquer sur le corps avant d'aller le cramer. C'est vraiment nul, hein. C'est...